Hiver, c'est fini. Les pulls verts, c'est fini. Le nez qui coule, c'est fini. On les voulait, on les attendait. Et voilà qui débarque pour la sixième année. J'ai nommé les apéros urbains. Vivi, il y a un truc que je voulais te dire absolument, hein, un peu d'historique. Ah ouais, dément ! Tiens, il le fallait. J'ai dit, qu'est-ce que tu as dit ? J'ai rien à dire. Tu t'amuses bien au moins ? On s'amuse bien. T'es là depuis combien de temps ? 5 minutes. Tu bois quoi ? La bière. C'est ta quantième ? Première, deuxième. Tu mens. Il y a un truc que je voulais absolument te dire. Est-ce que tu sais que la place Poulart, c'est la plus grande place de Bruxelles ? Oh, je savais pas, mais c'est pas grave, ici, il y a tellement de monde, on fait la fête, quoi, c'est canon. Ça, c'est sûr qu'on fait la fête. En fait, je continue. La place Poulart, hein, eh ben, elle fait 155 mètres sur 55 mètres. Une piste de danse, Fifi, d'au moins 8 hectares. T'imagines ça? Je te l'aurais dit hier, hein, tu m'aurais dit quoi? Tu m'aurais dit non, c'est pas possible. Eh ben, je te jure que c'est vrai. Et là, maintenant, pour l'instant, c'est Hellfest qui passe. Après, il y aura un petit peu de temps qui DJ, et alors après on enchaînera tout de suite avec Shameboy. Mais j'ai cru entendre qu'il y aurait une petite surprise. On va aller vérifier. Fifi, il y a Anita qui doit me dire un truc. Bon Thomas, tu mets ça, tu te démerdes, mais tu vas devant la scène avec ce t-shirt. Devant la scène là-bas? Évidemment. C'est la police. Wouh. On retrouve Anita. Wouah. Mais qu'est-ce qui se passe? Wouh. Qu'est-ce qui se passe? Jamais dansé de leur vie, ils ont respecté le travail d'un danseur et j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment bien passé. C'est Studio Max. God bless Belgium. You rock. Into like and not into love. Tu as assisté à ce qui s'est passé ici? Pardon, je ne sais pas. Tu parles pas français? Non, pas de tout. Have you got some fun? Sorry? Do you love Belgium?
Belgium? Yes, that's fine, that's great. Do you love Brussels? It's great, it's a great place. I love Brussels. And did you know before the apéro urbain? No, that was the first time. First time. A great time? Great time, yes. Great time. You're with your friends? Yes, my friends. Because? Sorry? Because we are again. Never be alone again. So sweet. Oh. Are you single or are you single? Option B. T'attitude comment? Il y a une question qui me brûle les lèvres. Où est-ce que tu as dormi hier soir? Oula. La réponse va être aussi débile que la question. Oui. Oui. Pas chez moi. Oui. Oh. Comment s'appelle ton papa? Il est là avec la caméra. Ah, il est là? Il est juste là-bas. On va aller le voir. Attends, on va chercher. Il s'appelle comment? Patrick, ta fille a découché. Tu t'attitudes comment? Anna, tu t'amuses bien Anna? Comment s'est passée la semaine? Dur, beaucoup de travail. Ah, tu travailles pour les apéros? Mais moi aussi. C'est génial, j'adore. Tu fais quoi? Graphiste. Et c'est toi qui t'occupes de l'affiche ou pas? Ça. Avec qui? Avec Jean-Charles. Et il est où Jean-Charles? Oh, c'est génial, Jean-Charles est avec nous, c'est formidable. Jean-Charles, salut. Salut. Comment est Anna? Elle est chiante ou pas? Ça va, elle est cool. C'est vrai? Elle est cool. C'est cool la mort. Et vous êtes célibataire ou vous êtes tous les deux maqués? Oh merde, y'a le mec qui est là! Le mec est là aussi! Tu t'appelles comment? Simon. Et ça va, Anna travaille pas trop sur les apéros? Elle est très professionnelle, elle est pas trop, ouais. Travaille beaucoup. Elle est très professionnelle. Exactement. Est-ce qu'elle pense encore un peu à toi, Simon, des fois? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis complètement perdu, tu vois. Mais tant mieux alors! Tu travailles ce soir? Non! Dis-le plus fort! Non! Dément, je te souhaite un bon apéro, Anna. Et à toi aussi, Simon. Et pas à toi, Jean-Charles, non, pas à toi. Tu vois, elles peuvent pas monter sur le podium, entre guillemets, de Poulard. Mais là, on va leur faire regretter d'être montées. Regarde. Oh, les filles! Viens. Ouais! Vas-y, mets la cam en dessous. Tu vas voir, elles vont tout regretter, quoi. Voilà! On a même pas 16 ans, hein. Et qu'elle se trémousse déjà à 3 mètres du sol. Tu crois que ses parents sont au courant? Non, ils sont pas au courant. Tu crois que sa grand-mère est au courant? Non, ils sont pas au courant. En tout cas, les mecs, hein, ici, ils sont au courant. Shimboy. Un duo electro house venant d'Anvers qui est en train de présenter en exclusivité pour les apéros urbains. Ah, ils sont chiants! Ah, ils sont chiants! Ah, ils sont chiants! Après, il y a l'apéro club. Il y a l'apéro urbain et après, il y a l'apéro club. Et ben, d'abord, on commence par l'apéro urbain. Et tu crois que j'allais parler de quoi? L'apéro urbain, surtout. Mais oui. L'apéro urbain, on n'oubliera jamais cet apéro. Je ne veux pas travailler. Oh. Je ne veux pas déjeuner. Oh yes. Je veux seulement l'oublier. Et puis, je fume. Wouh. Voilà, on a tout donné. Shimboy a tout donné, les gens ont tout donné, Place Poulard, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine, Place Louise, Place Stéphanie. Et surtout, pour la prochaine fois, venez moins nombreux.
Ah non, j'arrête. Je suis en train de m'enfoncer là, je vais aller creuser ma tombe, je vous laisse, hein. Je vous laisse le micro.